necesito encontrarte para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío. Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos. Ya no aguanto el castigo. Oui, c'était incroyable. Pour tout dire, j'ai fait des études de mode à Milan. J'y ai même ouvert un magasin. Et après ça? Tante Emilia est arrivée et elle m'a convaincue de tenter ma chance au Mexique. Bien sûr! Je me souviens lui avoir dit « Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens me rejoindre au Mexique, ici tu pourras mettre à profit tout ton talent. » Et puis, voilà pourquoi elle est là. Comment tu as rencontré Esteban? Lors d'un dîner. C'est Tata qui l'avait organisé. Oui, c'est vrai. Un dîner? Oui. Avec Esteban? Avec Esteban. Bon, les filles, il faut que j'y aille, donc excusez-moi. Et puis toi, tu as un rendez-vous, non? C'est vrai. C'était un plaisir. Merci d'être venue. Merci pour le thé. Tout le plaisir était pour moi. Écoute, je comprends que tu considères mon frère comme un investisseur pour ton entreprise. Mais Esteban n'est pas une banque. Et tant qu'il m'aura, aucune femme ne pourra abuser de sa solitude. Pardon? Je peux finir? Si tu veux être tranquille, quitte Esteban aujourd'hui. Mets fin à cette relation. Quand j'ai décidé de remonter dans ma chambre, Esteban est resté jouer avec Rebecca et Nicolas. Il est resté? Oui, et sur le coup, je n'y ai pas vu de mal. Ensuite, dans les escaliers, j'ai croisé Emilia. Elle parlait au téléphone, mais elle était en colère et elle pleurait. À qui elle parlait? Je ne sais pas, mais elle marmonnait. Comment j'ai pu être aussi stupide? Je l'ai supprimée. Enfin, un truc comme ça. Ensuite, je suis tombée sur Santino. Cet homme a passé la soirée à me suivre, à me courir après. À me harceler. Il voulait voir si tu étais intéressée. Mais puisque tu as refusé ses avances, il a menti au procès et est allé dans le sens du procureur en affirmant que tu étais la maîtresse de Nicolas. Santino cherchait à se venger. Il a très bien pu le tuer et me faire accuser. Je ne vois pas où vous voulez en venir, Lucrezia. Je suis avec Esteban pour ce qu'il est, pas pour son argent. Raconte tes histoires à l'eau de rose à quelqu'un d'autre. Ça suffit comme ça. Je t'interdis de parler à ma nièce de cette manière. C'est une véritable artiste. Elle n'a pas besoin de l'argent d'Esteban, encore moins de son aide. Écoute, je connais les femmes comme vous. Vous en voulez toujours plus. Et toi et moi, on se connaît très bien, Emilia. Je t'aurais prévenue. Ne te dérange pas, Emilia, je vais prendre un taxi. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Elle est aigrie, qu'est-ce que tu crois? Elle est déterminée à ce que son frère ne tombe plus jamais amoureux. Elle veut qu'il reste célibataire jusqu'à la fin de ses jours. J'espère que tu ne vas pas te laisser intimider. Non. Je me marierai coûte que coûte. Allez, viens, je vais te raccompagner. Santino avait un plan. Ce soir-là, il a commandé le service d'étage. Il faut absolument qu'on trouve qui l'a servi. Et Florencia a dit qu'elle était en train de jouer aux machines à sous avec Lucrezia et Inès. Et Emilia, la femme de Donato, elle n'a presque pas quitté sa chambre. Oui, mais Emilia était enceinte. Elle était constamment nauséeuse, fatiguée. Emilia, tu vas bien? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Emilia était si bouleversée qu'elle en a pleuré. Ne t'occupe pas d'elle. Mais si jamais tu veux parler à Esteban du comportement qu'elle a eu avec toi, vas-y. Tu crois? Je sais pas, et si ça la mettait encore plus en colère? Cette femme est une vraie teigne. Cette femme... C'est une personne dont tu pourras te débarrasser dès que tu seras mariée à Esteban. Pense-y. D'accord. Réfléchis-y. Merci, Tata. En devenant l'assistant de l'avocat de la défense lors du procès, Donato n'a pas eu à témoigner. Oui, et l'alibi de Bruno l'a aussi évité d'avoir à témoigner devant la cour. Selon Bruno, ils sont allés au casino voisin pour tenter leur chance. Hé, Nicolas! Et ils y sont restés pour boire. Oui, mais le barman qui les a suivis a donné un faux alibi. Et comme les témoignages de Florencia, Lucrezia et Inès coïncidaient, inutile de chercher d'autres témoignages. Je suis certaine que l'un d'entre eux est le tueur. Mais qui est-ce ?
Et Esteban? Madame Linares est ici. Oui, c'est bon, faites ça. Comment tu vas? Écoute, j'attends toujours la traduction du contrat des Français. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Quoi? Tu fréquentes une certaine Paola Ferrer? Oui, c'est vrai, comment tu le sais? Oh, je t'en prie, Esteban. Ici, tout se sait. Et c'est vrai que tu as l'intention de l'épouser? Si Esteban a toujours cru que tu le trompais, et qu'il a tant insisté pour que tu prennes part à ce voyage, c'est peut-être parce qu'il avait tout prévu. Il a dit qu'il jouait avec Rebecca, mais quand il est monté dans la chambre, il était choqué de te voir être emmené par la police. Mais Rebecca, elle a confirmé le témoignage d'Esteban. Oui, mais s'ils pensaient tous les deux être trompés, ils se sont peut-être soutenus l'un l'autre. Réfléchis-y, Marcia. Écoute, moi-même, je ne m'y attendais pas, mais... Eh bien, Paola est arrivée et... Je veux refaire ma vie. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voulais épouser la nièce d'Emilia? Parce que je n'ai pas à te rendre de compte, c'est ma vie privée. Mais... On est amis depuis longtemps, Esteban. J'ai toujours été là pour toi. Ah, eh bien oui, je sais, et je t'en remercie mille fois. Tu sais quoi, on va organiser quelque chose pour que tu la rencontres. Tu avais juré que tu ne te remarierais jamais. Et tu ne sais pas à quel point je regrette d'avoir dit ça, c'était ridicule. Avec Paola, j'ai retrouvé l'amour. Non, c'est pas l'amour, ça. Le véritable amour, c'est quand une personne est prête à se taire et à attendre pour tout donner à la personne voulue. Et c'est exactement ce que j'ai fait toutes ces années. Le croupier a affirmé avoir vu Rebecca jouer seule au moment du meurtre. Esteban a été le premier à arriver sur la scène du crime. Il remontait, soi-disant, du casino pour aller dans sa chambre. Mais si, en fait, il sortait de la chambre, après être passé par le balcon et avoir assassiné Nicolas... Non, attends. Esteban est peut-être le pire mari du monde. Mais... Ce n'est pas un meurtrier. D'après ce que tu m'as dit, il était très jaloux. Et s'il était convaincu que tu le trompais... Il est peut-être responsable. Pense-y. On doit parler à toutes les personnes qui ont corroboré leur alibi. Mais comment on va les retrouver? Heureusement, dans les dossiers conservés par le procureur, j'ai réussi à récupérer des informations auxquelles on n'a pas eu accès. Comment? Quand je suis allé chercher tes documents, tous les dossiers du procureur étaient dans une boîte à côté de la tienne. On a donc tous les noms et les adresses des témoins. Je t'aime depuis notre rencontre, Esteban. J'ai dû supporter de te voir avec Rebecca. Et ensuite avec Marcia. J'aurais jamais imaginé que tu te marierais avec elle. Et tout ça, pourquoi? Pour te voir souffrir. Pendant que j'attendais patiemment ma chance. Mais qu'est-ce que tu racontes, Florencia? Tu es la femme de Bruno, l'un de mes meilleurs amis. Oui, je l'ai épousé pour être près de toi. Non, attends, écoute, ça suffit. Mieux vaut mettre fin à cette conversation parce que ça va mal se finir. Non, Esteban, je te promets. Non, Florencia, s'il te plaît, Florencia, arrête ça tout de suite. Je préfère que tu ne collabores plus avec l'entreprise et qu'on garde nos distances à partir de maintenant. C'est bien compris? Je n'arrive pas à croire que je n'éveille absolument rien en toi. Florencia, je t'estime beaucoup, ça oui, en tant qu'amie. Et tu es la femme de Bruno. C'est tout. Écoute, mieux vaut qu'on ne reparle plus de cette histoire. On va faire comme si rien ne s'était passé. Le plus important, c'est que Bruno ne sache rien de tout ça, s'il te plaît. Je ne mérite pas que tu me rejettes. Et je ne te laisserai pas en épouser une autre! Assez, ça suffit, Florencia! Assez! Ne remets plus les pieds ici. J'enverrai tes dossiers en cours par courrier. Et tu seras payé en conséquence. Mais s'il te plaît, sors d'ici. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Sors d'ici, s'il te plaît.
Dites-moi, un meurtre a été commis dans cet hôtel il y a 20 ans, n'est-ce pas? Si on sait que j'en parle, je risque mon poste. Pourquoi cette question? Parce que je fais des recherches. Vous êtes journaliste? Oh, j'adore tout ce travail de recherche. Vous savez, ça fait tellement longtemps que plus personne ne s'en soucie. Aussi, certaines personnes s'y intéressent. Écoutez, j'aimerais savoir si la dame qui travaillait au service d'étage à l'époque travaille toujours ici. C'était Tante Cayetana. Quand j'étais petite, elle m'a parlé du meurtre et de l'énorme scandale que ça crée. Oui, oui. Mais elle est morte. Un mois après avoir témoigné pendant le procès, elle a été renversée par une voiture et la police n'a jamais trouvé le coupable. Je vous apporte votre crème anglaise. Favio, on a une date de première, ok? Tu dois finir de créer la chorégraphie rapidement. Je suis un artiste, ça prend du temps tout ça. En plus, il me manque 3 filles pour le numéro de jazz. Excusez-moi. Les filles, moins de blabla, plus de travail. Comment ça se passe? J'aimerais pas être à ta place, c'est toujours compliqué d'avoir affaire à Favio. Ça fait partie du jeu. Oh, tu veux voir comment on s'en sort? Non, merci, je suis seulement venu t'informer que je vais devoir faire traduire les contrats par quelqu'un d'autre. Florencia est déjà au courant et elle est vraiment contrariée par cette décision. Eh bien, Esteban, c'est toi le président de l'entreprise. Si tu penses avoir pris la bonne décision, alors je n'ai rien à redire. Bien. Ah, Inès. Non. Lucrezia s'est vraiment très mal comportée avec ma nièce. Elle l'a menacée si jamais elle ne quitte pas Esteban. Oh, Emilia, je ne sais pas quoi te dire. Ça me fait de la peine pour Paola. Elle aime tellement Esteban. Alors comme ça, tu savais déjà qu'Esteban faisait la cour à cette petite vipère et tu ne m'as rien dit. Je l'ai découvert récemment. J'avais peur de ta réaction. Et puis, c'est à Esteban de l'annoncer. La prochaine fois que tu me caches quelque chose, je demanderai moi-même à Esteban de te virer de la maison en prétextant tes histoires de traînée. Et pour tout ce que tu as fait dans le passé. Pardonne-moi, Lucrezia. Écoute, je te jure de ne pas recommencer. Donc, on se calme, hein? En plus, je te rappelle que si je parle, on sortira toutes les deux perdantes. Écoutez, ça fait des années que je travaille ici. J'ai vu défiler des milliers de clients. Mais au procès, vous avez affirmé que... Ce que j'ai affirmé, c'est que ces deux gars étaient ici au moment du meurtre. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Monsieur, est-ce que je peux y aller? Oui, mais s'il te plaît, arrive tôt demain. D'accord. Ne restez pas trop tard. Il n'y a pas que le travail qui compte dans la vie. Essayez aussi de vous amuser. Merci. Autre chose? Ça a été un plaisir. Bonne soirée. Bonsoir, madame. Vous vous êtes décidée à tenter votre chance? Il y a 20 ans, j'étais dans ce casino, à cette même table. C'est une nuit que je n'oublierai jamais. Je suis sûr que vous aviez été chanceuse, mais ce soir, ce sera encore mieux. Vous savez, j'aimerais beaucoup savoir si le croupier qui m'a servi cette nuit-là travaille encore ici. Ça me paraît compliqué. Vous vous rendez compte, 20 ans, c'est trop long. En plus, beaucoup de personnes sont arrivées à l'âge de la retraite. Et ceux qui s'en rapprochent viennent seulement travailler le soir. Mais essayez à l'accueil. Si vous avez l'heure et le jour exact, ils pourront vous donner le nom du croupier que vous recherchez. Comme ça, vous pourrez savoir si la personne travaille encore dans ce casino. D'accord, je vais faire ça. Merci. Dites-leur que c'est la table de Blackjack numéro 13. Table 13. Blackjack! Si ça, c'est pas de la chance, hein. Ces traîtres de Donato et d'Emilia ont présenté Paola à Esteban dans l'idée qu'elle le coince. Bien sûr! Comme ça, il s'assure d'avoir un lien de parenté avec lui et d'avoir son soutien inconditionnel. Tu savais qu'Esteban était avec cette femme? Ouais. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis ta femme! Pour la même raison que tu m'as caché que t'étais amoureuse d'Esteban depuis toujours.
Malheureusement pour toi, je t'ai entendu parler avec lui aujourd'hui dans son bureau. Je t'ai entendu le supplier d'accepter ton amour. Oui, c'est vrai. J'aime Esteban. Je l'ai aimé toute ma vie. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Je vais pas te quitter, Florencia. C'est vraiment pas dans notre intérêt. Alors on va continuer à jouer la comédie et vivre dans cet enfer qu'on s'est construit à deux. Toi, tu vas penser à Esteban, et moi, je vais rêver d'une autre femme. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Malheureusement, le croupier que vous cherchez est en congé maladie, madame. Je pourrais avoir son adresse, s'il vous plaît? J'ai besoin de le contacter. Je comprends, mais ce sont des informations confidentielles. Eh bien, oui, je sais bien, mais... S'il vous plaît, je dois le trouver à tout prix. Il a été admis dans cet hôpital. Merci beaucoup. Merci mille fois. Allez, ma grande. Bonsoir, mesdames. Allez, au travail. Où est votre patronne, s'il vous plaît? C'est elle, là-bas. En rouge? Bonsoir. Salut, beau gosse. Tu préfères les femmes d'expérience ou tu préfères une de mes petites? Elles sont très jolies, mais c'est à vous que je veux parler. Bien sûr. Approche-toi, mon chou, on va voir ce qu'on peut faire. Je veux savoir si tu étais le partenaire d'Antonio Gilles. Oh, c'est pas vrai. Il a fallu que tu gâches tout. Ne me parle pas de cette raclure de chiottes. Donc, vous le connaissez? Erk, bien sûr que je le connais. On a été liés pendant quelques mois. On a même vécu ensemble. Mais je ne veux plus entendre parler de ce sale con. Vous savez où il est? Ah! Tu sais donc y faire, dis donc. Eh bien, écoute, la dernière fois que j'ai vu ce sale type, il m'a demandé en mariage. Tout ça pour que quelques jours après, ce merdeux parte dans une petite ville au milieu de nulle part avec une autre femme. Pauvre type! Donc vous ne savez pas du tout où il se trouve? J'en ai aucune idée, honnêtement, ça me passe au-dessus, d'accord? Tu vas consommer? Sinon, mon gars, oust! Dégage! Si Esteban et Rebecca pensaient tous les deux être trompés, ils se sont peut-être soutenus l'un l'autre. Mes enfants se comportent comme des gamins de 5 ans, alors ne fais pas attention à eux. J'ai envie d'organiser une fête pour annoncer nos fiançailles. Qu'est-ce que tu en penses, Paula? Je ne sais pas. On devrait peut-être leur laisser un peu de temps pour se faire à l'idée. Non, j'admets que leur avoir caché notre relation était une erreur. Mais de là à ce qu'ils s'opposent à ce que je me marie, ce serait absurde. Et tes amis? Ils seront contents pour moi. Et quand ils te rencontreront, ils seront conquis. Je te soutiens. Seulement, j'ai peur qu'ils me détestent autant que ta sœur Lucrezia. Pourquoi tu dis ça? Lucrezia est venue me voir au magasin. Mon chéri, il faut que tu sois raisonnable. Il faut que tu te reposes, Rafa. Tata, je suis sortie pour jouer au foot pendant un moment, j'ai rien fait de mal. C'est ce temps qui est mauvais pour toi. Regarde comme tu es endolori, mon amour. J'en peux plus de vivre avec cette maladie. Oh, ne dis pas ça, Rafa. Désolée, Tata, je le pensais pas. Tu sais, je t'aime tellement, mon amour. Est-ce que tu peux me ramener mes médicaments? Comme ça, je me sentirai mieux. Oui, mon amour, je sais. Je vais te préparer un bon dîner, d'accord? Je reviens tout de suite. Allez, Hugo, donne-moi une chance d'apprendre à connaître la copine de ton père. Depuis que je suis petit, on m'a appris à adorer une mère parfaite. Mes tantes m'ont toujours dit que la seule femme digne de mon père était ma mère. Je sais. Moi aussi, je vénère la mémoire de ma mère. Alors, tu sais à quel point c'est difficile de construire l'image d'une mère à partir de petits morceaux et de vivre dans la crainte qu'un jour, ils soient effacés. Parce que mes souvenirs de ma mère sont sa voix qui chante pour moi, ses câlins, quand elle me disait qu'elle m'aimait. Il ne fit plus rien. Le silence. Ils n'ont jamais vraiment voulu me dire comment elle est morte, soi-disant pour m'épargner plus de souffrance. Peut-être que ton père souffre encore à cause de sa mort.
Ma mère était tellement bouleversée par la mort de mon père que, petit à petit, elle a perdu goût à la vie jusqu'à en mourir. Bon, pas besoin de ressasser des souvenirs douloureux. Oh, hey, j'ai l'impression que t'as une touche, hein. Lance-toi. Ah, oh, je suis trop déçue. Je voulais que tu viennes avec Hugo, il est trop beau. Ah, oh, je sais, je l'ai appelé un milliard de fois, mais il m'a pas répondu. Oh, j'adore cette musique. Qu'est-ce qui t'arrive? Hier, t'étais déprimée et aujourd'hui, c'est comme si de rien n'était. T'inquiète, c'est tout moi. Oh, serveur, par ici, vite, vite, vite. Shot, 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 shot. Santé. Santé. Ok, doucement, Lu. Tranquille. Oh, attendez, j'en prends un autre, merci. Moi aussi, moi aussi. Hey, tu sais quoi? J'ai vraiment pas envie d'être triste ou de penser à l'école, au travail, aux devoirs ou à mon père qui veut trahir la mémoire de ma mère. Complètement d'accord. Santé. Santé. Ah. Je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai trop bu. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Le voici. Merci beaucoup. Monsieur, vous vous souvenez de moi? Vous êtes la meurtrière. Non, 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 je n'ai tué personne. J'ai été accusée à tort. Non, non, c'était pas elle. C'était lui. Lui? Qui? Je peux pas le dire. Elle l'aimait tellement, elle l'aimait tellement. Elle a dit qu'ils étaient des amoureux, c'est ce qu'ils ont dit. Calmez-vous, monsieur. Écoutez, cette nuit-là, j'étais avec mon mari. S'il vous plaît, essayez de vous souvenir. Mon mari et moi, on était à votre table, au Blackjack, avec un autre couple. À ce moment-là, je me suis levée. Est-ce que vous vous en souvenez? Le mort est parti. Le mort est parti. Oui, oui. Quoi et d'autre? Ensuite, ils se parlaient tous à l'oreille. Et ils se disaient des choses, mais moi, je voulais mais rien qu'est-ce entendre. Qu'ils se disaient? Je voulais rien entendre. Je ne voulais rien savoir. Je vous voulais en prie, pas. Essayez je de ne souvenir. Voulais rien savoir. Allez-vous-en. Laissez-moi monsieur, tranquille. D'accord, du calme. Attendez, laissez-moi, monsieur, essayez de vous souvenir. Laissez-moi. Du calme, du calme, tout va bien. Ils sont partis respirer, ça va aller. Comment est-ce que tu as pu penser que Paola voulait que j'investisse dans son entreprise? C'est une femme accomplie avec beaucoup de prestige. Oh, je t'en prie, tu n'es plus un bébé pour qu'une femme comme elle puisse te donner un amour inconditionnel. Je te préviens, c'est la dernière fois que tu vas dans son magasin pour l'humilier. Ah, et je vais organiser une fête de fiançailles, ici, à la maison. Ne crois surtout pas que je vais t'aider à organiser ta petite fête. Parce que tu crois vraiment que j'ai besoin de ton aide. Eh bien, si tu vois ta petite amie, dis-lui de ma part que si elle t'épouse, elle va le regretter. Oui, oui. Necesito encontrarte.